littéraire du Cameroun, parce que cette œuvre figure parmi les rares œuvres littéraires du Cameroun qui ont été écrites dans leur première édition en langue nationale du Cameroun. Donc cette œuvre a d'abord été écrite en langue douala avant d'être traduite par l'une des figures emblématiques, n'est-ce pas, de la philosophie dans notre pays, et un auteur d'ailleurs que vous étudiez en terminale, auteur de la médiocrité à l'excellence, qui s'appelle... Très bien. Donc, l'œuvre a été traduite par ce philosophe, et comme on dit, traductere est tradere, c'est-à-dire, traduit, c'est aussi trahir. De la version originale à la seconde édition, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été dit? Je vais passer la parole au premier intervenant qui va commencer par démystifier l'œuvre en nous permettant d'accéder aux sens qui sont présentés en langue douala. Je vais donc passer la parole comme ça à M. Benjamin Mukanjo pour une explication générale par rapport aux emprunts faits à la langue douala dans l'œuvre Goum Adjemeya. Merci au père principal, merci aux élèves, merci à tous ceux qui sont venus ici. Et merci pour l'honneur que vous faites d'être là ce soir pour nous écouter. Mon propos, pour tel que l'a dit le modérateur, pour essayer de retracer un peu dans notre culture, savoir et plus particulièrement douala, l'œuvre de David Mangaï Ouvrage, Goum Adjemeya ou la foi inébranlable de Douala Mangabem. A commencer par le titre. Nous disons ce titre, Goum Adjemeya, c'est trois mots. Goum, la lettre A et Djemeya. Le Goum, dans la tradition Sawa et Douala particulièrement, c'est ce grand champion, cet invincible, ce monsieur très fort, qui avait autorité sur tout le village, toute la contrée, et qui représentait ce village en toutes circonstances, en cas de défi. Et pour le dire les choses dans son contexte, les villages réglaient leurs problèmes à travers les Goum. C'est-à-dire, quand il y a un conflit entre deux villages, on prenait les Goum et on organisait tout un combat. Et le perdant est assujetti, est soumis à l'autorité du Goum qui a gagné, au village, donc village qui a gagné. Donc le Goum, c'est cette référence. Quand vous faisiez assez de boucans, quand vous cogniez fort, quand vous t'embêtez à tout moment, vous posez la question de savoir si vous êtes un Goum. C'est vous le plus fort. Et à ce niveau, les Goum étaient dans des références. Des gens à qui on faisait appel lorsque l'ordre public était un peu troublé. Et à ce niveau, pour faire partie du clan des Goum, c'est tout un rituel. Il y a la force brute dont la nature l'a doté. Et avec toute l'éducation qu'on vous donnait, vous étiez une représentation de ce village. Et c'était tous les ralliements dans son clan, les belles Bonadour. Chez eux, on dit Djemeya. Djemeya, oui, oui jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on ne change pas d'avis quand on a sa parole de donc Goum Adjemeya veut seulement dire que ce grand champion, ce grand chef traditionnel douala avait une parole et même la mort ne lui a pas fait changer d'avis quand il fallait vraiment choisir. Donc le titre Goum Adjemeya veut seulement dire que cette foi, cette force qu'il a eue en lui, il n'a pas cédé, quelles que soient les épreuves, il l'a gardé jusqu'au bout, au prix même de sa vie. L'ancêtre de Douala s'appelait Wale. Le Wale, tous nous avons une ancêtre. Elle a gardé, c'est la Mouro qui allait à Kosamba, ma gueule a été allée chez les Bambouk, Matanga, et ma Pouka qui a créé les Bambouk et les Malimba. Donc, l'ancêtre, le mot Douala vient du terme de Wale. C'est comme ça qu'on appelle Douala en patois, et Wale. Quand on dit tu es un Douala, on dit tu es un Douala, tu es un Douala, on dit tu es un Douala.
Et comme je crois le sens que je peux, ma petite connaissance me donne ce nom, c'est le nom qu'on donnait à des jeunes filles prédestinées à des dessins comme ce que la femme de l'homme a mis. Parce que comme c'est la jeune fille promise à un avenir, vraiment un nom qui. Dans nous, c'est l'expression un peu espiègle, un peu sans souci. Donc, là, ma Congo, ça, c'est l'un des ancêtres à une certaine génération de la famille Douala. Le clan d'origine de l'homme d'Amangabel, parce que si vous lisez l'œuvre, vous avez trouvé que l'ancêtre de Madame Angabo de la Rayu qui est Wallet, c'est le clan de la Congo, le clan de Mangabel issu de ce clan. Douala Makongo. Anjo Ben. Anjo, c'est un diminutif qui a été coupé de Bonanjo. Et c'est un petit nom qu'on a donné au roi, au prince, dans la Mangabel. Dibusa Dika. Dibusa, c'est une contraction du mot Dibusi. Fils de Dika, originaire de Dika, Dibusi, c'est pas son nom, c'est Dibusi. Le coup dit que c'est le fils de Dika, on dit Dibusa Dika, on contracte, donc le I disparaît pour faire place à Dibusa Dika, Dibusi Adika, Dibusa Dika, donc Dibusi, le fils de Dika. Mais vous, on appelle communément les Mami Wata, qui nous mettent un peu plus de l'eau, quand ça n'allait pas, les ancêtres sont graves, les ancêtres allaient consulter les mêmes pour dire, demander qu'est-ce qui ne va pas. Papa, comment trouver une solution à tel ou tel problème? C'était le lien entre les ancêtres, les divinités et le peuple. Les mêmes. Et je croyais même, tout question, il y a des gens qui avaient leur même. Qui avaient leur propre génie, c'était des génies des autres, comme ça qu'on les appelait. Il y a des gens qui dans les familles, on vous trouvait dans cette famille, ne vous abusez pas, ils ont leur génie, ils ont leur génie, parce que le prieur c'est le même, le sérieux c'est Dieu. Dieu, quand il s'agit d'un seul ou d'une seule, c'est Dieu. Quand ils sont nombreux, c'est le même. Donc c'est un génie des autres. C'est une intercession entre les ancêtres, les divinités et le peuple que le chef allait consulter chaque fois. Les épices. Bon, là, c'est dans la page gratuite, je ne sais pas si je peux. Ici, on nous parle de Mongolo. Simplement, je crois que c'est ce qui revient le plus fort qu'on passe, c'est le gingembre. Et ça avait un très très grand rôle quand il fallait non seulement purifier, mais il fallait également donner beaucoup de fois d'énergie. Quand il y avait cette reconnaissance, comme c'est fait le cas des chefs, c'est des choses qu'on fait mâcher. Et tous vous savez que mâcher le Mongolo, et de sorte, comme on l'appelle ici, une autre sorte d'épice. Le Ndonga Munda, c'est ce petit piment-là, c'est des petites graines qui sortent. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est des petites graines. Quand vous les mâchez, ça pique. On sort ça du coco. Les femmes, là, vous les graines, c'est ça pour faire la cuisine. Non, c'est. Le Ndonga Munda, ça sort des petites graines, ça pique plus que le piment. Hein. Quand vous voulez mâcher, ça fait très très mal. Donc généralement, quand on parlait des enfants, qu'on disait qu'ils sont possédés, on mâchait et on les soufflait ça à la face pour chasser le mauvais esprit.
Le Dongamunda, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le Djandjou. Non, ça c'est un instrument de pouvoir, une attribution. Tout à l'heure en venant, dans la précipitation, parce qu'on devait aller à l'aéroport, qui était de nous laisser tout ça dans la voiture. Le Djandjou, c'est ce que les chefs les notables, ils ont comme une sorte de valeur de fibre. Ils tiennent ça comme objet de bâton de commandement. Donc le Djandjou, quand vous êtes un notable, quand vous êtes un chef, vous avez besoin d'un Djandjou. C'était le domaine de Nakano. Donc ici, c'est une manière de prier, de dire tout ce que je fais là, je invoque le nom de Tel. Donc lui, c'était son grand-père, Tétain Doumbé, qui était comme un symbole de puissance. Et chaque fois qu'il était devant une épreuve, il fallait l'invoquer pour dire Tétain Doumbé, c'est à ton nom, et que je programme ceci. Bon, Dieu, je crois qu'on a essayé d'expliquer, c'est un engagement sur l'honneur, c'est un oui qui ne change pas. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les menaces, vous avez dit oui. Et chez les deux, la famille de Madame Mangabel, ils ont surtout le rendement. Djemira, une fois, là, t'en as pu dire oui jusqu'à la mort. Donc, quand un Beloa, comme on les appelle, Djemira, quand ils sont là, quand il dit oui, quand il commence à dire Djemira, vous le prenez oui, Djemira, ça ne va plus changer. Quoi que ce soit, il ne va plus changer. Donc, c'est un cri de rendement chez eux. Quand on veut savoir ce qui est maintenant, dès qu'on lance Djemira, ceux que je porte, on savoir que voici les Djemira qui sont là. Parce que dans la grande communauté Sawa, nous avons une manière de saluer, de se reconnaître entre nous. Boa est déjà éternel. Quand le peuple est assemblé, on veut savoir ce que le peuple a dit, le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est aboli. Voilà comment la grande communauté Sawa, il y a les Abos, les Togo, les Bongo, les Malimba, les Bakoko. Là, on doit la suivre la communauté. Tous ont grandi. Moi qui vous parle, je suis Abos. Hein? Il y a les voilà, et le terme de boué, c'est des tourbillons et des grands vents. À l'époque, quand on était en danger, les parents étaient en danger, ils envoyaient ce grand vent pour faire disparaître. Ça, si quelqu'un vous cherchait, ce tourbillon vous enveloppait et vous emportait. Donc vous ne voyez pas. Et parfois, pour chasser l'ennemi, on envoyait donc un grand tourbillon qu'on appelait du boué, qui était comme une sorte de tornade de poussière. Même si vous êtes fort, comment, quel que soit les que vous avez au moral, personne ne sait que c'est ça. Voilà à peu près, et je vois l'hymne que vous avez en face tout à l'heure, c'est l'hymne du clan Louodou. C'est pas l'hymne de toute la communauté Sawa, parce que dans cet hymne, ils rendent hommage à leur chef, ils lui disent, on te pleure, on sait ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour nous, et sache que tout tes rêves ne sera pas perdu. Je crois que ce sujet est long et je. Merci à plein de fois de plus pour votre attention.